Bonjour, ici Sparkle Touch et aujourd'hui je vous montrerai un tweet sur ce sujet qui s'appelle Tamer Bohr. Tamer Bohr, qu'est-ce que ça fait? C'est que, avec une méthode d'activation, vous avez le choix avec le timer ou le chronomètre. Le tweet est 99 cents sur ce sujet. Vous téléchargez confirmé et voilà qu'est-ce que ça fait avec une méthode d'activation timer et le chronomètre. Il n'y aura pas de compte sur le Springboard. Ça va être directement dans les réglages. OK. Là, vous mettez à Enable. On. OK. Là, ils vont vous demander une méthode d'activation. Moi, j'ai écrit appui double sur la barre de statut, comme vous avez vu. OK. Time up sonde. OK. Ça, mettons, soit dans le timer, puis tu mets une minute, puis les une minute sont passées, il va y avoir un son. Vous pouvez l'enlever, ça. OK. Mais moi, je vais le mettre à on. Custom sonde. OK. Là, moi j'ai mis old phone. Yep, je vais mettre le son. Attendez. Il y en a plein d'autres. Il y a incendie. Il y en a d'autres. OK. Et custom theme. Custom theme, je vais vous montrer tantôt. OK. Vous pesez deux fois vous faites la méthode d'activation et il y aura deux choses qui vont s'activer. Timer. OK. Si je mets une minute, là il va y avoir une minute. Là il va y avoir c'est les secondes qui s'écroulent. 51, 50. OK. Vous pouvez le mettre à zéro. Le recommencer, excusez-moi. Juste en cliquant sur la petite spirale. Je le mets. Yep. Je l'active. Tu fais sa spirale et il revient à une minute. Pour l'activer. OK. Et voilà. Tu pèses dessus. Le deuxième choix. Stopwatch, le chronomètre, tu pèses une fois dessus et il va s'activer. Et voilà. Si tu pèses la spirale, il va là. Il est à zéro. OK? Là, custom theme. Si on le met à Darko, on va dans Stopwatch et voilà. Et vous, si vous voyez, il est différent. Tu mets original. OK. Attendez. Voilà. C'est un autre thème. Et transparent. Transparence. 40, si on met à 40%, il est hyper transparent que d'habitude. Il y a 60%. Moi, je mets à 80%, c'est mieux. Car on voit la barre de statut et on voit le chronomètre. OK. Et le tweet qui peu importe où t'es, mettons, si je suis dans un jeu, je vais mettre dans un jeu. Attendu, super safe. Yep. Yep. Attendez, il est du mauvais bord.
On va baisser ça un petit peu. Excusez-moi. Et même sur le lock screen, il est là. Ok. C'est attendu. Et si je start la game, play game. Puis là, je pèse dessus. Combien de temps je fais mon meilleur score? Ou combien de temps je perds une vie? Ah, j'ai perdu une vie. Ok. C'est très pratique si tu veux calculer combien de temps tu as survécu ou d'autres choses dans le jeu. Yep, attends. Bon. Puis même sur le lock screen, il va être là. Ok. Moi, je le trouve très pratique à la place de... Yep. À la place de toujours aller dans... dans l'horloge, là. Comme vous l'avez vu, je cherchais l'horloge. Et voilà. Tu peux avoir bien plus vite. T'as le chronomètre puis t'as le minuteur. Ça va bien plus vite. Puis, aussi, un plus, c'est que si je vais dans Stopwatch, je fais le port. Je fais mon iPod. Si j'attends là. Et voilà, il est encore là. Ok, comme je l'ai dit, moi je le trouve très pratique. Ok. Ça vous évite de perdre du temps à chercher horloge. Mais vous, qu'est-ce que vous pensez de ce tweet? Sixième. Vous avez juste à aller dans les commentaires et écrire qu'est-ce que vous pensez du tweet que je vous ai présenté dans cette vidéo. Et allez sur ma chaîne YouTube, sur youtube.com/supercoutouch et vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube juste en cliquant en haut de mon doigt, en cliquant sur s'abonner et vous aurez toutes les nouvelles vidéos que je mettrai. Merci et à